es en train de rompre avec moi. Appelle ça comme tu voudras. Alors tu ne ressens rien pour moi ? Si, bien sûr. Je ressens beaucoup de choses. Par exemple, en ce moment, je ressens une colère immense. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu me demandes de te comprendre, mais tu refuses de comprendre les autres. Et qui te dit que je ne te comprends pas ? Qui ? Je ne fais que te soutenir. Mais ça suffit, Sol, ça suffit. Je pense que le moment est venu de prendre une décision nous concernant. Peu importe les mystères de ta naissance... Ah, c'est ça, Alejandro. Si tu dis ça, c'est parce que toi, tu connais ton histoire. T'as une mère et un père, et tu n'as qu'une chose à faire, c'est les aimer et les défendre. Mais c'est pas mon cas, Alejandro. Sol, comprends-moi... Non, je suis perdue. Je croyais connaître mes parents, mais finalement, c'est le contraire. Et en plus, ils ont été tués et volés. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Eh bien, c'est rien de grave, docteur, mais... C'est juste que... J'ai eu une conversation. Ça m'a provoqué un mal de crâne terrible. Vous auriez un comprimé à me donner ? Je n'en ai pas ici, mais attendez, je vais vous en chercher dans mon casier. Oula, mon pauvre. Pourquoi ta tête est pleine de bandages ? Des brûlures. J'attends qu'on me transfère à l'hôpital. Ah oui. On va te faire sortir pour te soigner, c'est ça ? Intéressant. Sol, le problème, c'est que tu prends tout pour acquis. Est-ce que tu t'en rends compte ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Écoute, pour autant que je sache, les Figueras sont morts. Et pas vraiment de mort naturelle, Alejandro. Et je sais aussi que, une fois mort, leur fortune est passée dans les mains de leur associé, qui se trouve être ta mère. Tu vas me dire le contraire ? Tu sais quoi ? Tu peux garder la bague. J'en veux pas. Parce que moi, je t'aime. Et je veux toujours me marier avec toi. Oui, mais il y a encore des doutes à dissiper, je te signale. Et Alejandro, je te jure que c'est tout ce que je veux faire, dissiper les doutes. Sol, je comprends que ma mère puisse être une personne un peu hautaine, orgueilleuse, capable de faire des choses que je désapprouve. Mais je ne peux pas accepter qu'elle soit une meurtrière. Même pas comme une hypothèse ? Non, même pas comme une hypothèse. Je refuse de le croire. Très bien. Alors tiens, tu peux la reprendre, ta bague. Et avec ça, ta promesse de mariage. Alejandro, je comprends que tout ça soit choquant, mais... Qu'est-ce qu'on peut y faire ? C'est le destin qui a voulu ça. Sol, ne fais pas ça, je t'en prie, comprends-moi. Non, non, écoute-moi, Alejandro. Pour moi, ta mère est suspecte dans l'assassinat de mes parents. Et j'espère vraiment me tromper. Mais si c'est vrai, je ferai tout pour l'envoyer en prison. Et ce sera pas une bonne chose pour notre couple. C'est parfait. L'autre crétin est évanoui dans la salle de bain et moi, je vais sortir à sa place. C'est que je me sens... confus. Et tout ça me déplaît énormément. Ma mère n'a pas à faire l'objet de telles accusations. Mais c'est le cas, Alejandro. C'est le cas. Pour Sol, oui. Et pour vous deux, c'est un vrai problème. Sol est la plus... La plus belle chose qui me soit arrivée, la plus importante. Et ni rien ni personne ne se mettra entre nous. Encore moins une situation pareille. La vérité, c'est que Sol t'a transformé. Il y a encore un mois, tu étais un autre homme. Tu voulais te marier. Mais pas comme ça, aussi sérieusement. C'est que je me sens comme... comme un imbécile. Confus et... amoureux. Ça oui, très amoureux. Je te jure que, comme j'aimerais redevenir l'homme que j'étais il y a un mois. Bon, si c'est ce que tu veux, je crois que l'occasion vient de se présenter. Je vous laisse tous les deux. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là ? Ben, je pensais à toi et... je suis venue te voir. Qu'est-ce qui t'arrive, Alejandro ? T'as l'air un peu triste.
Si t'as besoin d'une amie à qui te confier... Je suis là. José Domingo m'a prise pour une idiote. Il m'a menti au sujet de cette somme qu'on lui a prêtée. Reste à savoir dans quoi est-ce qu'il l'a dépensée. Ça va, Columba? Je suis fatigué aujourd'hui, j'en peux plus. Fatigué de quoi, hein? Comment ça, de quoi, Columba? Je travaille toute la sainte journée comme un forcené. Tiens, voilà ce que j'ai gagné aujourd'hui. C'est pas grand-chose, mais... Mais c'est déjà de l'aide. Et qui a besoin de travailler quand on a une telle somme d'argent sur son compte en banque? Quoi? Tu sais très bien de quoi je parle. Tu le sais, la banque t'a bien accordé un prêt. Et tu le sais parce que tu as retiré cet argent, tu l'as transféré vers un autre compte et encore un autre. Alors, pourquoi tu me mens? Qu'est-ce qui se passe avec cet argent? Qu'est-ce que tu en as fait? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Désolée, elle est pas très belle. Quoi? Tu es fou. Elle est magnifique. Oui, mais bon, quand elle est à côté de toi, forcément, elle a pas l'air aussi belle que ça. Non. Oh. Bonjour, c'est le docteur Caicedo. Désolée de pas vous avoir rappelé. J'ai été très occupée. Embrassez Carlos de ma part. Dites-lui que je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a écrit? Le petit message du docteur Caicedo a dû beaucoup te plaire. Je suis sûre que tu as passé une très bonne nuit. Ah, Père Ramon. Vous ici? Vous avez trouvé quelle pénitence m'infliger pour mes péchés? Tu es complètement folle, Alicia. Mais ton petit jeu va prendre fin dès aujourd'hui. Je te jure que c'est terminé. Mais comment est-ce qu'on peut oser penser que ta mère, Reina Montserrat, est une meurtrière? Je pense comme toi, Aïda. Et ça me fait mal, tu sais, ça me fait mal de savoir que c'est ce que Sol pense. C'est de ma mère qu'on parle, là. Je sais, mon amour. En plus, ben, c'est sacré. Ta mère, un être si bon, si pur. Comment est-ce qu'on pourrait penser ça? Je comprends pas. Cette Sol, je sais pas ce qui lui a pris. Elle a sûrement perdu la tête. Figure-toi qu'elle m'a quitté. Je lui ai offert cette bague. Et elle me l'a rendue. Et ça me fait énormément souffrir. Oh, mon amour. Mon amour, te mets pas dans cet état. Tu sais que j'aime pas te voir comme ça. Tu dois à tout prix l'oublier. Et tu sais quoi, je vais t'aider. Et la pièce que je t'ai montrée, elle servait en fait de débarras. Mais j'ai pu la vider et maintenant je l'ai aménagée. Est-ce que tu as vu que tu as une salle de bain privée? Oui, oui. Vraiment, merci beaucoup, Raquel. Tu es vraiment un ange. Dis-moi, pourquoi tu as l'air aussi triste? Rien, c'est des choses... Des choses qu'on s'est dites avec Alejandro. Mais rassure-toi, tout ira mieux demain, j'en suis sûre. Bon, d'accord. Repose-toi bien seule. Je te souhaite une bonne nuit. Ouais, toi aussi, Raquel. Ouais. J'espère vraiment que demain, tout ira mieux. Reste encore à voir les preuves que Madronio dit avoir. Oh mon Dieu, faites que ce soit un mensonge. Que tout ce qu'Heriberto dit au sujet de Madame Montserrat ne soit pas vrai. J'arrive. Heriberto, mais qu'est-ce que vous faites ici? Calme-toi, ma belle, calme-toi, je ne te veux aucun mal. Bien au contraire. Je suis venu t'aider à démasquer le coupable. Et à tout remettre à sa place, d'accord?
calme, du calme, sang, du calme. Tu entends ce que je te dis? Calme-toi. Je te dis que je suis ton sauveur. Ton avenir. Ton bonheur. C'est pas juste, tu sais. C'est pas juste. Tout allait si bien entre nous. Tout était si beau. Ouais. C'était beau, mais juste passager. Et ça, tu dois le comprendre. Allez, mon chéri, sois pas triste. S'il te plaît. Écoute, Sol a préféré haïr ta mère plutôt que de t'aimer, tout simplement parce que... parce qu'elle t'a jamais aimé comme toi tu l'as aimé, c'est tout. Allez, Randro, tu dois l'oublier, mon amour. Mais Sol était... immense. C'est la plus grande conviction que j'ai jamais eue de ma vie. Et d'un coup, tout s'écroule. Ma promesse d'amour, elle me l'a rendue. Ça ne signifiait rien pour elle. Tu es cynique, Alicia. Mais je n'ai pas l'intention de te suivre dans ton petit jeu macabre. Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire, mon père? Briser le secret de la confession? Réfléchis, je t'en supplie. Comment est-ce que tu peux faire ça à Mary Cielo? Elle te considère comme sa meilleure amie. Elle t'aime même comme une sœur. Oui, c'est vrai. Mary Cielo m'aime comme... comme une sœur. Pourquoi est-ce que tu le dis sur ce ton? De quoi est-ce que tu parles? Oh, père Ramon. Si seulement vous saviez... Si je savais quoi? Parle une bonne fois pour toutes. Et donc, tu vas pas me croire. Maître Meneses, ma supérieure... Tiens ton jus d'orange, ma chérie. Elle m'a donné congé tout lundi parce que j'ai quelque chose de très important à faire. Et il se trouve que le lundi, c'est le jour parfait pour le faire. Tant mieux. Tu vas pas me demander ce que j'ai de si important à faire? Ah, non, si, bien sûr. Qu'est-ce que tu as à faire lundi? T'aimer. T'aimer le lundi. Et t'aimer chaque jour de ma vie. Embrassez Carlos de ma part. Dites-lui que je l'aime beaucoup. Mary Cielo, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de te parler. Non, c'est que je ne me sens pas très bien, vraiment. J'ai comme des nausées, il vaut mieux que je m'en aille. Attends, mais qu'est-ce que tu as? Non, vraiment, je me sens pas bien. On se parle plus tard, d'accord? Heriberto, d'abord, dites-moi ce que vous faites ici. Vous n'étiez pas supposé être en prison? Hein? Ne me dites pas que vous avez été relâché. Vous vous êtes enfui, c'est ça? Comme diraient les musiciens. Oui, mademoiselle. Bien sûr que je me suis enfui. Mais c'est pas pour te faire du mal, tu m'entends? Comment ça? Écoute-moi, ma petite Sol. Si j'étais restée en prison, comment est-ce que j'aurais pu t'aider? Tu te souviens bien que je t'ai dit que j'avais une preuve contre Reina? En prison, je n'aurais pas pu l'obtenir. Pourquoi vous êtes venu jusqu'ici? Ben, pour te le dire. Comment est-ce que vous m'avez trouvé? Ah, mais s'il te plaît, calme-toi, ma belle. Souviens-toi. Hein? Tu te rappelles quand tu étais à Palo, Colorado? On t'a donné un petit papier avec l'adresse de ta tante, Columba. Eh bien, j'ai pris ce petit papier et je l'ai échangé contre un autre. Tu t'en souviens maintenant? Tu t'en souviens? Heriberto, s'il vous plaît, partez. Écoutez, je vous jure que je dirai rien, mais partez. Heriberto, vous pouvez pas rester ici. Calme-toi. Je t'aime, ma poupée. C'est pour ça que je ne te ferai jamais de mal. Mais écoute-moi, tu sais... pourquoi je me suis réellement enfui, hein? Pour me livrer à nouveau. Alors dis-moi, on t'a prêté cet argent à la banque, oui ou non? Bon, d'accord. Oui, Columba, oui, la banque m'a prêté cet argent. Ah, eh bien alors, si c'est vrai, pourquoi est-ce que tu dis que tu n'as jamais un sou et que tu dis, ah, c'est bêtise, que tu es épuisé et que tu n'en peux plus travailler autant? Bon, elle t'a démasqué, José Domingo. Alors maintenant, à toi de jouer. Bon, Columba, ce qui se passe, c'est que je ne voulais pas t'en parler encore. Pourquoi? Parce que c'est une grande surprise. Vraiment? Bien sûr. Viens là, viens là, viens là, viens, viens par ici. J'aurais plutôt préféré te le dire quand on se serait réveillés l'un contre l'autre le matin. Mais bon, si on allait dans la chambre,
Et je te raconte tout en détail, d'accord? Écoute, mon amour, le monde est comme ça. Il y a plein de gens ingrats qui n'accordent aucune valeur à ce qui devrait être valorisé. Qu'est-ce que je fais, Aïda? Qu'est-ce que je fais? Je vais te dire ce que tu dois faire. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Tu vas faire sortir cette douleur de ton cœur, de ton âme. Tu vas l'oublier et je vais t'y aider. Je serai à tes côtés, ok? J'ai une idée. On pourrait aller chez moi si tu veux. Ça va te faire du bien. Fais-moi confiance, personne ne nous dérangera. Je te jure que j'irai jusqu'au bout du monde si ça pouvait m'enlever ce nœud que j'ai dans la gorge. Tu sais quoi, oui, tu as raison. Emmène-moi où tu voudras. Viens là. Bravo, c'est exactement ce que tu dois faire. Écoute-moi, ma petite Sol. Si jamais j'étais restée dans cette prison, j'aurais peut-être été transférée demain. Et alors j'aurais jamais pu dénoncer Reina. Ni pouvoir présenter les preuves que j'ai contre elle. C'est pour ça que je me suis enfuie. C'était pour me livrer. Je comprends pas. Je t'explique que j'étais à la merci des sbires de Reina. Ils auraient fini par me tuer avant de me laisser l'accuser de quoi que ce soit, tu comprends? Bon, allez, expliquez-moi mieux parce que tout ce que je sais, c'est que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Mais calme-toi et écoute-moi. Calme-toi, d'accord, hein? Écoute, si tu connais quelqu'un dans la police qui soit digne de confiance, appelle-le. Dis-lui clairement que je me suis enfui et que je suis prêt à me livrer. Mais j'exige la présence d'un procureur et d'un avocat. Vous avez dit un avocat et un procureur, c'est ça? C'est ça, pour que mon intégrité soit préservée. Ok. Comme ça, je pourrais confesser le double crime que j'ai commis il y a 20 ans. Et par la même occasion, dénoncer qui m'a engagé pour... On se calme et on obéit. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici? Allez-y, j'écoute. Qui êtes-vous? Maricielo, c'est Heriberto Madroño. Le misérable qui t'a rendu la vie impossible? Ah, mais oui. Je me souviens très bien de vous, lors de l'incident dans la maison close. Vous n'étiez pas en prison? Je me suis enfui, madame l'agent. Et je suis venu ici pour aider Sol. L'aider à quoi? À se rendre compte que Reina Montserrat et le diable sont une seule et même personne. Et à rendre justice à ses parents décédés. C'est vrai, Maricielo. Écoute, il est venu me raconter la vérité. Et je le crois. Tu vois, Sol, tout se passe très bien. On avait besoin d'un policier en qui tu aies confiance. Et en voici une juste là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'offres le paradis et tu me l'enlèves après? Pourquoi? Sol, je t'aime. Ça va aller, chérie. Je t'aime, Sol. Ça va. Je t'aime. Tout va bien se passer. Je te le promets, mon cœur. Je ne comprends pas pourquoi elle a voulu découvrir ses origines et elle a accusé ma mère. Tout allait si bien. Pourquoi? Elle sait vraiment pas ce qu'elle perd, mon amour. C'est Sol, la perdante. Faut être folle pour laisser filer un homme comme toi. Aïda, c'est vrai. J'ai besoin d'elle. J'ai besoin de ces baisers. Aide-moi. Aide-moi. À l'oublier. Aide-moi, je l'aime tant, s'il te plaît. Pas de problème, je vais t'aider. Seulement, faut que tu te détendes. Parfait, mon cœur. Peu importe si tu me parles d'elle ou que tu pleures comme un bébé. Aujourd'hui, t'es à moi. Seulement à moi. Coucou. Ah, tu es là. Ça va? Ouais, ça va. Tu as passé une bonne journée? Bien. Bien, en fait, c'est la routine. Entre l'université et tout le boulot que j'ai à faire, je comprends pas qu'il n'existe pas une université de la danse. Ah, c'est ça que j'aime. Danser. Et tout de suite, j'oublie tout.
De ton côté, mon filleul, mon petit Eloy, comment ça va? Bien, bien. Il dort comme d'habitude. Ah, il faut que je te dise. Mon père est venu parler à ta mère tout à l'heure. Si, ici, je te promets, je vais rester ici avec vous. Non. Oui, et bon, maintenant, il ne reste plus qu'à fixer le montant que mon père va verser à ta mère et voilà. Ah, super, c'est génial. Et enfin, je suppose qu'il ne me reste plus qu'à parler à Carluccio, non? Mais je pense pas que ça lui pose un problème, donc oui. C'est bon. Et Christo José? Tu l'as vu? Viens, Sol, mon amour, viens. Embrasse-moi, oui. J'ai envie de te dévorer de baisers, mon cœur. Je t'aime, Sol, je t'aime. Merci, Seigneur, enfin. Ouais, on est allé à la plage et... Ah, c'est vrai que tout se passe très bien, mais... Il y a un mais. C'est que Christo José n'étudie pas. Tu vas me dire que c'est bête de ma part, Barbara, tout ce que tu voudras, mais j'en sais rien, ça me dérange, moi j'aime qu'un homme ait des rêves, qu'il ait des objectifs, pas qu'il reste là à se laisser vivre. Tu dois le convaincre, Gisèle. Ça se voit qu'il est fou de toi. Je suis sûre que tu peux le convaincre. Non? C'est quoi ce ton ironique? Tu fais ça parce que tu te moques de tout le monde. Tu te moques de Mariciello et de son amitié. Tu te moques de moi. Tu te moques même de Dieu. Mon père. Mon père, ne me faites pas de reproches. Vous ne vous rendez pas compte des problèmes que j'ai. Si, si, tu as des problèmes. Des problèmes très sérieux. Écoutez, mon père. Mon père, mon cœur est en petits morceaux. Mon âme est complètement dévastée. Je suis terriblement frustrée. Et Mariciello est la principale fautive. Tu vas rejeter la faute de ta rancune sur Mariciello? Mon père, je ne sais pas qui est responsable. En revanche, ce que je sais, c'est que je ne suis pas fière de ces sentiments que je ressens. Oh, mon père, j'ai besoin de l'aide du Seigneur. Enfin, bien sûr, s'il a du temps pour une pauvre malheureuse, pleine de haine comme moi. Alicia, Dieu ne te pardonnera pas si tu ne te repens pas. Est-ce que tu en as conscience? Mon père, je vous en supplie. Oh, ne me laissez pas tomber. Je vous en supplie, aidez-moi. Non, 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 ne fais pas ça, je t'en prie. Vous savez quoi? Peut-être... Oui, peut-être que c'est mon destin. Sombrer dans cette petite mort permanente qu'a toujours été ma vie. Vous savez que je n'ai jamais été fiancée, mon père. Que jamais personne ne m'a regardée. Excepté ce jour où un homme a abusé de moi. Vous l'ignoriez, n'est-ce pas, ce qui m'était arrivé? Non, 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 ça va aller, ne t'inquiète pas. Écoute-moi, Dieu ne va pas t'abandonner, et moi non plus. Serrez-moi fort, mon père. Ça va aller. Patience et persévérance, Reina. Il ne faut pas aller trop vite, parce que sinon on risque de tomber. Donc, un pas après l'autre, sans quitter l'objectif de vue. Eloy, Barbara, Madronio, Sol, Mariciello... Chacun a sa solution, et c'est comme ça qu'on va y arriver. Oui, j'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, Madronio s'est enfui? Quelle malédiction! Reina Montserrat est très influente. C'est elle qui m'a envoyé en prison. Et pas parce que j'ai tué les parents de Sol, non. Elle l'a fait parce que j'ai échappé à son contrôle. Sous quel prétexte elle vous a fait arrêter? Elle vous a accusé de quoi? Vous savez, moi, on peut m'arrêter pour n'importe quel motif.
Vous ouvrez le code pénal et le premier délit que vous trouverez, je l'aurai commis. Soyez clair, sous quelle charge étiez-vous détenu? Je suis recherché par Interpol. Et c'est déjà pas suffisant. Figurez-vous que... ils allaient bientôt m'extrader. Ça veut dire que je n'aurais pas eu le temps d'ouvrir la bouche pour dire tout ce que je sais sur Hena. Écoute, l'idée d'Heriberto, c'est de se livrer à nouveau. Mais sous protection policière, comme ça, il pourra dire la vérité au sujet de Consuelo et Alvaro Figueras. Ces gens qu'il dit être des parents. Mm-hmm. Maricelo, je t'en supplie, fais ce qu'il dit. Emmène-le au poste et... demande une protection spéciale pour lui. Comme ça, il pourra présenter les preuves qu'il dit avoir. Quel genre de preuves? Les preuves d'échecs avec lesquels il m'a payé. Et un document qui était près des victimes quand je les ai tués. C'est la preuve que Reina Monserra les a escroqués. Emmenez-moi. Donnez-moi votre protection. Et je vous dirai où sont ces preuves. Je vais appeler pour demander du renfort et vous emmener. Continue comme ça, c'est parfait. T'as pas idée de combien je vais tirer profit de cette nuit. Tu peux compter sur moi. Bonjour, mon cœur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, ce sont des fruits, mon amour. T'as toujours aimé ça, non? Et après la nuit qu'on a passée, t'as besoin de reprendre des forces. Tiens. Attends une minute. J'ai dormi ici? Mm-hmm. Avec toi? Mm-hmm. Oh mon Dieu. Et, il s'est passé quelque chose entre nous? On a fait des choses? Si tu veux dire par là qu'on a fait l'amour, oui. Et c'était merveilleux, chérie. Oh mon Dieu, non, c'est pas vrai. Tu vas manger les fruits ou pas? Aïda, ça n'aurait jamais dû arriver, tu m'entends? J'ai commis une erreur, excuse-moi, mais ça n'aurait jamais dû arriver. Pardon, désolé. Alors, Carlos, quelle est donc cette urgence? Tu as eu un problème? Est-ce que tu t'es senti mal? Non. En fait, c'est un problème, oui, mais pas un problème de santé. Si c'était le cas, je serais venue te consulter à ton cabinet. D'ailleurs, je le connais pas encore. Je suis tellement soulagée de savoir que tu te sens bien. Alors, est-ce que ça signifie que c'est un rendez-vous strictement personnel? Je t'écoute. Béatrice, ce dont je voulais te parler, c'est à propos de Maricelo. Maricelo? Oui, ma copine. Je sais pas vraiment comment te dire ça, mais je pense qu'elle est jalouse, et je crois que c'est de toi. De moi? Pourtant, je ne pense pas lui avoir donné des raisons d'être jalouse de moi. Eh ben, je sais pas, on est allé à ton cabinet et on t'y a pas trouvé. Ensuite, elle a changé un peu. Je sais que ça se fait pas, mais si ça te dérange pas, j'aimerais te demander conseil. Tu crois que tu peux m'aider? Pourquoi j'arrive pas à me sortir ça de la tête? Embrassez-le de ma part. Dites-lui que je l'aime beaucoup. Ça m'énerve, cette insécurité. Et en plus, pour couronner le tout, il faut que j'enquête sur la vie de la mère de ma meilleure amie. Ah, Maricelo. Alors, ça s'est passé comment? Est-ce que t'as eu des problèmes hier soir pour conduire Madronio au poste? Non, non. Je n'ai eu aucun problème à le conduire au poste. Il est sous notre protection. Ah, ok. Et qu'est-ce que t'attends pour chercher les preuves dont il a parlé? Je l'ai fait hier soir aussi. Tiens, les voilà. Maintenant, il faut voir si elles ont de la valeur. Et qu'est-ce que t'en dis? Ce sont des bonnes preuves, ou non? Eh bien, Sol, je vais les apporter à mon chef. Il est spécialiste dans le domaine. Mais à ce que j'ai pu lire, d'après mon expérience, elle me semble assez fondée. Alors, ça veut dire que...
Ça veut dire qu'il y a une possibilité que Reina Montserrat ait escroqué et fait tuer les Figueras ? Sol, je t'assure que j'aimerais vraiment te répondre non, mais c'est oui. À ce que je vois, on dirait bien que ce Madronio dit la vérité. Alors c'est la vérité ? La mère d'Alejandro a commandité le meurtre de mes parents ? Allons, Sol. Ne t'emballe pas non plus. D'abord, on doit savoir si ces gens sont bien tes parents ou non. Maricielo, c'est tellement étrange. C'est moi qui demande à obtenir des réponses et je te jure que je préférerais ne rien savoir. Sol, écoute. S'il te plaît, ne crois pas que c'est facile pour moi ce que je viens de te dire. Reina Montserrat est la mère de ma meilleure amie. Mais si je suis policière, c'est pas par hasard, c'est par vocation. Bien sûr. La vérité avant tout, c'est ça. Mais rien n'est vrai avant d'être prouvé. N'oublie jamais ça. Je sais qu'il n'y a jamais rien eu entre nous, et que tout est limpide, mais quand même... Je sais pas, c'est comme si je devenais parano à cause de sa relation avec Robocop, là, son collègue de travail. Ce que tu veux, c'est que je lui parle et que je lui assure qu'il ne s'est rien passé entre nous. Je peux le faire avec plaisir, Carlos. Mais toi, qu'est-ce que tu sais ? De quoi ? Eh bien, personne ne connaît mieux une femme qu'une autre femme. Oh, écoute. Ce que je veux dire, tu n'es pas en cause. Mais si c'était elle qui n'était pas claire. À quel sujet ? Ma question, c'est... Est-ce que tu es vraiment sûr et certain qu'il ne s'est jamais rien passé avec ce Robocop? Oui, mais on a quand même des éléments qui laissent penser que Madronio pourrait avoir raison et que Madame Montserrat a bien pu faire assassiner mes parents pour s'emparer de leur fortune. Oui, c'est vrai. Sol, ça va nous attirer des problèmes. Moi, j'en ai déjà, alors... Et Alejandro ne va pas être content du tout. Mais je ne m'arrêterai pas là. Maricielo, pourquoi est-ce qu'il a fallu que je tombe amoureuse de lui ? Oh, Sol, je t'en prie, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu sais quoi ? Je suis tombée amoureuse d'Alejandro. J'aime Alejandro et... Et je peux rien faire parce que je peux pas vivre non plus sans savoir qui je suis et d'où je viens. Et si ces gens étaient mes parents biologiques ? Et c'est à moi de leur rendre justice. Tu ne crois pas ? Sol, considère ça comme un test. Surtout pour Alejandro, parce que ce sera à lui de te prouver combien il t'aime. Et s'il est prêt à tout faire pour toi. Mais... Attendez, comment ça ma fille est sortie ? Où ça ? Tout le monde a le droit de sortir, monsieur Montserrat. Les gens sortent, entrent et voilà. Oui, bien entendu. Mais le petit, il est avec elle ? Non. Le petit est dans la chambre. Sous mes soins et sous ma plus stricte surveillance. En attendant, Gisèle a accompagné votre fille à l'université. Afin de voir si elle pourrait peut-être s'inscrire à un cursus qui lui plairait. C'est formidable, n'est-ce pas ? Bon. Pour être tout à fait sincère... Ça ne me plaît pas que ma fille vous ait laissé le petit. Et en fin de compte, nous ne sommes pas encore convenus d'un montant. Comment ça ? Bien sûr que si, monsieur Montserrat. Je vous l'ai déjà dit. Le montant que vous estimerez pertinent, mais en billets verts, est supérieur à 1 000. Et bien sûr, en plus du soutien macroéconomique pour mon projet de Las Catalinas. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'êtes pas d'accord ? Si, bien sûr que je suis d'accord pour qu'on nous aide. Mais qui tu as dit qu'on allait voir au juste ? On va voir mon chef, le commissaire Tabarès. En fait, il est spécialiste en crime organisé de tout type d'escroquerie. Oh, tu sais quoi, c'est vraiment pas drôle tout ça. Je ne voulais pas que ça arrive, mais t'as bien vu, toutes ces preuves montrent que la mère d'Alejandro est une personne méprisable. Bonjour. Alejandro ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je vous écoute, asseyez-vous. Allez, dites-moi tout. À combien estimez-vous le bien-être de votre petit-fils ?
et la possibilité pour votre fille de vivre une vie normale, comme elle le mérite, comme la jeune fille qu'elle est. Chère Madame White, je dois vous dire une chose. Pour l'instant, les billets verts, je ne pense pas que ce sera possible. Et au sujet du projet qui vous intéresse, bien sûr, on pourrait en discuter tous les deux. Mais que pensez-vous ? Asseyez-vous. Que diriez-vous si... si je vous offrais cette somme mensuelle pour vous occuper de mon petit-fils ? Jetez un œil là-dessus. Un instant, désolé. Columba ? Excusez-moi ? Quel nom venez-vous de dire ? Columba, c'est une de mes amies. Je crois qu'elle veut que je la rappelle. Elle a des problèmes en ce moment. Elle a été escroquée. Vous permettez que je la rappelle ? Excusez-moi. Ah mince ! Une amie escroquée qui s'appelle Columba. Seigneur, c'est une coïncidence ou c'est un piège que vous me tendez là ? Une mise à l'épreuve ? Rien, Eloy, rien. Il ne se passe absolument rien. D'ailleurs, je me porte à merveille. Et pardon de t'avoir envoyé un message pour que tu me rappelles, mais je n'ai plus de crédit sur ma carte et... en plus, je n'aime pas t'appeler à la maison. Columba, qu'est-ce que tu veux dire par « je me porte à merveille » ? Tu te souviens de ce que tu m'as dit au sujet du prêt accordé à José Domingo ? Eh bien oui, c'était une surprise. C'est pour ça qu'il ne m'avait rien dit. Mais il est rentré et il m'a dit que la banque lui avait prêté la quasi-totalité de la valeur de la maison. Comment ça ? La quasi-totalité ? Columba, on peut se voir ? J'aimerais te parler à ce propos, j'ai des choses à te dire. Je serai bref. Oui, à plus tard alors, merci. Pardonnez mon indiscrétion, mais la Columba avec qui vous parliez à l'instant, elle n'aurait pas été victime par le plus grand hasard d'une escroquerie immobilière ? Eh ben, si. Quelque chose dans le genre. Mais pourquoi cette question ? Mince, comme dirait l'autre penseur grec. Attention à ne pas te brûler les ailes. Alors, réponds-moi, qu'est-ce qui t'arrive enfin ? Sol, je crois qu'il faut qu'on parle. Mais pourquoi tu parles comme ça ? Alejandro, est-ce que t'es saoul ? Tu crois ? Bon, dis-moi, de quoi est-ce que tu veux qu'on parle ? Je voudrais te demander, s'il te plaît, te demander pardon. Pardon pour ce que j'ai fait. Comment ça ? Attends, j'aimerais bien savoir ce que t'as pu faire pour me demander pardon.